Bonjour, la famille. Bonjour, chers frères et sœurs. Si vous me voyez ce matin faire cette vidéo, allumer ma caméra et mes lumières pour faire cet enregistrement, comprenez que c'est du sérieux. Et je voulais que vous preniez ça vraiment au sérieux. Alors, je m'adresse ce matin à cette diaspora menteuse. Oui. Parce qu'après, vous allez dire que j'insulte la diaspora. Il y a certaines personnes qui ternissent l'image de la diaspora. Il y a certaines personnes qui sabotent l'image de la diaspora. Parce qu'il est inadmissible que nous sommes au pays, on se bat. Comment on se bat là pour s'en sortir? Vous êtes là-bas, je ne sais pas quel business vous faites là-bas. Vous donnez des faux rendez-vous aux gens. Vous détruisez les journées des gens. Arrêtez de me donner des faux business. Moi, j'ai toujours dit ici que je ne fais pas dans le faux. Ne m'appelez plus. Parce que moi, je viens dire ça en vidéo comme ça parce que moi, je reçois trop de coups de fil des faux business. Je ne fais pas les faux business. Pour ceux qui font les faux business là, ne me contactez pas. Moi, je ne fais pas ça. Alors, il y a plus de 4 personnes qui sont venues au pays. Ils m'ont confirmé que non, c'est toi qui couvres mon événement, c'est toi qui fais mon mariage, c'est toi qui fais la communion, mes enfants et tout. Non, 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 on s'entend, même jusqu'au niveau des prix. Les gars refusent de me payer. Que non, on n'a pas confiance aux Camerounais. Dès qu'on va arriver, on va te gérer tout, 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 tout. Tu fais ton programme, tu laisses même tomber d'autres événements qu'on te propose, mon frère. Les gars arrivent. Tu appelles, on te dit que non, on te fait signe demain, on te tourne pour finir, même tu ne sais même pas comment ça se passe. C'est même quelle mentalité que vous avez même comme ça là. Faut respecter les gens. Ne pensez pas que les Camerounais sont aussi idiots comme vous pensez là. Et ne pensez pas que les Camerounais sont aussi misérables que ça. Non, il faut arrêter ça. Ne m'appelez plus pour des faux business et ne m'appelez plus pour des faux rendez-vous. Si vous voyez que vous ne pouvez pas faire un truc, il y a des bonnes personnes qui travaillent avec elles. Et cette personne-là, tous ceux qui ont travaillé avec moi sont satisfaits. Donc arrêtez de prendre les Camerounais comme... C'est pas parce que je fais certaines vidéos où je présente un peu certains côtés négatifs de certains trucs qui se passent où vous pensez que, comme vous êtes aveugle, vous refusez de comprendre. Vous pensez que moi, j'ai tenu l'image du Cameroun. Quelqu'un qui peut vivre au Cameroun, qui s'en sort au Cameroun, tenu l'image du Cameroun. Hein? Moi, ce que YouTube me paye, ce que Patrick Kenyé, le poste de Voulu TV me verse, si le Cameroun n'était pas bien pour moi, je ne serais plus au pays. J'ai suffisamment de moyens présentement pour quitter le Cameroun. Mais je n'ai même pas l'intention de quitter le Cameroun parce que le Cameroun me plaît. Vous comprenez, non? C'est pas parce que j'ai fait un peu mes découpages des vidéos pour faire rire que vous allez croire peut-être que le Cameroun est mauvais. Le Cameroun n'est pas mauvais. Si vous avez eu la chance d'arriver à la diaspora, oui, réussir dans vos business, faites vos business. Ne manquez pas du respect à ceux qui sont restés, ou même ceux qui ont accepté de rester se battre au Cameroun. Le respect émission doit se respecter. Quand on vous respecte, respectez-nous également. Donc il faut que vous arrêtiez ça. Arrêtez de m'appeler pour me proposer des faux business. J'insiste encore. Je ne fais pas les faux business. Je suis comme ça dans ma life. Même si je dois dire ça et que c'est mon dernier jour pour vivre, je serai très fier dans mon cercueil. Parce que je meurs pour la vérité. Je ne fais pas ça. Et le moment où je fais mes vidéos, quand je présente le côté positif du Cameroun, on dit que, ah ok, tu lèves bien l'huile de la sardine. Ok, tu manges bien la sardine. Ok, lendemain, quand je fais une vidéo où je présente un peu ce qui n'est pas bon au Cameroun, ah ok, tu fais partie des bandes des frères du village. Oui, tu fais partie du village. Ce sont tes frères, tu n'es pas différent de tes frères du village. Vous voulez même quoi? Vous pensez qu'on va seulement faire ce qui va vous plaire? Et vous pensez que nous-mêmes là, on ne sait pas ce qu'on doit présenter de bien? Et comme les Camerounais, vous ne comprenez pas certaines choses, c'est que moi j'ai compris votre système. Pour que les gens regardent les vidéos, il faut que vous présentez, vous donnez comme impression que ce n'est pas bon. C'est où tout le monde va venir regarder. Vous présentez même ce qui est bon, vous dites que non, ce n'est pas bon. Les gens vont regarder. Dès que vous présentez ce qui est bon, vous dites que c'est bon. Personne ne va passer à côté parce que vous n'aimez jamais voir ce qui est bon. Donc dès qu'on dit que non, telle chose est mauvaise, c'est où tout le monde vient voir. Et ce n'est pas bon. Mais dès que tu dis que telle chose est bien,
on te traite de tous les noms. On te traite de tous les noms. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que telle chose. Le Cameroun n'est pas aussi mauvais que ça. Arrêtez de croire aussi que les Camerounais sont stupides. Et je vous ai dit depuis que je fais mes vidéos, aucun membre du gouvernement ne m'a jamais menacé. Parce que les gens, quand je présente certains côtés bien du Cameroun, on dit que on comprend que le gouvernement te menace déjà parce que non, le gouvernement, je vous ai dit, n'est pas aussi idiot. Vous pensez que ce sont les animaux qui sont à la tête du gouvernement? Ce sont des hommes qui réfléchissent aussi. Et qu'est-ce que j'ai déjà montré de mauvais aussi comme vous pensez là que le gouvernement peut me menacer? Pourquoi d'abord le gouvernement va me menacer? Pourquoi? Je fais ce que je fais, c'est une nouvelle forme de l'humour. C'est tout. C'est le divertissement. Vous voyez, les Camerounais sont tellement concentrés au bar. Ou bien sur leur tablette, clavier, pour venir insulter les gens sur Facebook et sur les réseaux sociaux. J'ai lancé la formation en montage vidéo. Je vous assure, j'ai formé plus de 25 personnes dans la diaspora. Mais au Cameroun, j'ai formé deux jeunes Camerounais. Malgré le prix, le coût que j'ai tellement baissé pour le niveau de mes frères, j'ai formé deux. Depuis que je lance les formations, j'ai formé deux Camerounais. J'ai formé beaucoup de Camerounais quand c'était la formation gratuite. Mais dès qu'on dit qu'on paye un peu, les gars entrent en brousse. Pourquoi vous faites ça? Vous ne voulez pas travailler. Et c'est vous qui allez après chanter, taper les casseroles des mamies de vos mamans pour dire que non, le gouvernement, vous-même, vous ne travaillez pas, vous pensez que le gouvernement va s'en sortir comment? Mettez-vous au travail. Suivez mon exemple. Je vous ai montré mon studio, non? Je pouvais me concentrer sur mon studio. Les gens qui viennent me manquer du respect que tu t'habilles pas ou tu viens m'avaler sur les réseaux sociaux, c'est parce que vous ne connaissez même pas ma vie. Il n'est pas obligé, il n'est pas besoin de m'exposer. Il n'est pas besoin d'aller prêter les habits ou bien d'aller louer les habits, mettre pour vous faire plaisir. Jamais. Je vis ma vie comme ça me plaît. Et je suis une place. Je suis tranquille. Mon objectif n'est pas d'être riche ou bien de vous présenter la richesse, pourtant je souffre à l'intérieur. Non, ce n'est pas mon but. Mon but, c'est de vous présenter que je souffre physiquement, pourtant je suis bien chez moi. C'est mieux comme ça. Vous comprenez, non? Donc, mon petit message ce matin, c'était donc pour ça. Ne mettez plus les organes sur mes vidéos. Regardez, vous riez et vous passez. Il n'y a rien de la haine, du tribalisme ou de quoi que ce soit dans mes vidéos, non. Et je n'invente pas les vidéos. Tout ce que je fais se trouve sur les réseaux sociaux. Je télécharge ce que je manipule de ma façon pour vous faire plaisir. C'est comme ça. La nouvelle technologie. Voilà. On est ensemble. Inscrivez-vous pour la nouvelle formation qui est en cours. La nouvelle vague. Donc, la vague de février, d'ici la fin du mois, on lance avec une nouvelle vague de la formation en montage vidéo. Et je vous ai dit, quel qu'en soit le pays où vous êtes, quel qu'en soit où vous êtes, si vous avez déjà la connexion, je vous forme. Étant chez vous, vous êtes couché sur votre canapé, vous avez un ordinateur, c'est l'essentiel. Vous avez un ordinateur Windows de précision, parce que ceux qui ont les marques là, il n'est pas un logiciel marque, ceux qui ont les ordinateurs Windows, vous me contactez et on s'accorde. Je vous forme en montage vidéo. Toutes mes vidéos que vous voyez là, toutes les vidéos, tout ce que vous voyez, c'est moi-même qui les monte. C'est moi-même qui les monte. Je fais les découpages moi-même, je télécharge tout, je fais tous ces montes moi-même. Pourquoi vous ne pouvez pas faire ça? On ne se forme pas seulement pour être influenceur. Vous pouvez vous-même couvrir vos événements comme maintenant tout est devenu. On filme avec les téléphones, on filme avec les tablettes. Vous-même, vous pouvez filmer et vous découper tout ça, vous montez vous-même, vous écrivez ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Et à quoi? On faisait que le montage des vidéos, c'est seulement pour aller faire bavarder sur Facebook. C'est pour vos propres boulots. On est ensemble. Et ne m'appelez plus pour les faux business. Et ne faites pas les faux business. Voilà. Ne m'appelez plus. Contactez le numéro qui s'affiche en bas de l'écran là. Pour plus d'informations, pour la formation professionnelle, c'est mon numéro WhatsApp. Bye bye. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.